Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve encore une fois au Verrier. Pourquoi le Verrier? Bah parce que comme vous avez vu dans la dernière vidéo, il y a plein de nouvelles traces qui sont en train de se faire, se chaper, etc. Oh il est beau le virage. Ah putain ils ont bien rechappé hein. Ah ouais putain beau. Yes. Hop. Ah ouais propre hein. Et donc du coup bah je me suis dit je vais contacter la personne qui chape ça. Et bah trop bien, elle fait aussi plein de vidéos YouTube de ses chapes et tout. Et elle est avec moi juste ouais. Là, c'est Charlie. Salut, je vais me présenter, du coup je roule ici depuis quelques années. Et il y a quelques mois avec des potes on a décidé de venir chaper des pistes au Verrier. Donc on va vous montrer un peu tout ça aujourd'hui. Donc ouais ça va être cool. Voilà donc c'est trop bien et je suis avec Victor, voilà mon Instagram juste ici. Pareil je roule, je chape, allez checker ça. Voilà, trop bien. Donc là, deux petits jeunes, hein, parce que je dis deux petits jeunes, vous êtes beaucoup plus jeunes que moi. Ça va changer un petit peu, je vais pas vous montrer toujours les mêmes pistes. Ils ont prévu de me montrer plein de nouvelles pistes, plein de nouveaux sauts, donc bah trop bien. Je suis un peu perdu, moi, clairement, sur le Verrier, je roule pas trop souvent. Et bah vous allez me montrer quelques lignes, c'est ça qui va être cool? Exactement. Bon, bah, on perd pas de temps, c'est parti. Bon, bah voilà, comme d'habitude, un Verrier, on montre. Là, il commence à faire bien froid, là. Ah, regardez, vous voyez un peu... Il y a la neige, on doit être à la limite en Haute-Verrier, je pense. Bon bah comme d'hab, hein, on passe sur ce petit, c'est ce road gap là. Bah, je vais en profiter hein, de mettre la vidéo du road gap, vous montrer, regardez. Yeah! Et je vous déconseille, si vous êtes vraiment pas sûr du speed, je vous déconseille de le faire. Il faut vraiment beaucoup de speed et il faut avoir un petit niveau quand même. Ne vous jetez pas à la mort sans savoir. Je suis jamais passé par là, je pense. Ou j'ai dû passer une fois, mais après je me suis retrouvé sur les anciennes pistes. Et là, ils vont nous faire découvrir plein de nouvelles pistes. C'est cool ça. Bon, moi, je suis en touriste. Attendez, je ferme mes poches parce que je suis le genre de mec qui perd son portable. Ouais, bon, bah, allez les gars, je suis prêt. Allez, enjoy. Hop, oh, c'est pas crevé direct. Oh, c'est cailloux. Ouais, ça roule bien. Ah ouais, je suis gonflé à 3 barres, j'avais oublié. Yes. Ah, c'est très caillouteux. Hop. Hop là. Hop là. Ah ouais, je suis jamais passé là. Wouh. Ah, c'est plus tech. Ouf. Oh, c'est un truc à me la mettre là. Hop, hop, hop. Hop là. Yes. Ah ouais, c'est chapé un peu ici, ok. Ouais, là c'est raide, on voit pas. Oh là, petite chute. Ça va? Ouais. Ouh, le petit vélo positionné là. Ouais, comme je vous dis, là c'est ultra glissant. Ça, vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Hein. Ah. Ouh. Ah, t'es marrant ce petit endroit tech là. T'as vu, t'as bien fait de me suivre. Ouais, il était cool le petit gap après. J'ai gonflé mon pneu à 3 bars. Et donc, du coup, ils veulent me tuer direct. C'est cool les gars, sympa. J'ai dégonflé mes pneus. C'est bien raide, hein, putain. C'est cool ça qu'il y ait des traces comme ça au Verrier. Bon, bah, allez, hein. C'est red. Ah oui, ok. Ouf. Ok. Wow. 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 Yes. Hop là. Trop bien, gros. Ah, trop cool. Ah, elle est trop bien, la trace. Trop cool, putain. Ah ouais, grave. Du raid au Verrier, ça fait zizir. C'est ça qu'on veut. Ah, franchement. Et alors là, du coup, comment elle s'appelle la piste là? Parce que la dernière fois, on l'a faite, mais on n'a pas trouvé le nom. La 135. La 135. C'est d'autres gars qui l'avaient commencé, mais là, cette année, on l'a repris. Ouais. On l'a reshape total pour faire une vraie piste jump. Ok, et du coup c'est là où je me suis dit bah il y a des gars qui chapent et bah, on s'est rencontrés sur Instagram et il m'a dit bah viens je vais te montrer comment elle roule. Du coup 135 parce que bah 135 euros d'amende pendant le confinement, c'est ça. Mais non. Le mec, il a chopé. Ah, je connaissais pas l'histoire. La piste d'au-dessus c'est la récidive parce que pareil 135 euros d'amende. Ah donc du coup c'est des pistes qui ont été faites pendant la... Pendant le confinement, ouais. Ok, putain, je connais. En tout cas,
Je connaissais pas l'histoire. 135€ pour la piste, ça fait cher. De toute façon, en plus, c'est bien mouillé, on l'a bien senti dès les premières descentes. C'est bizarre, genre c'est dur et glissant à la fois. Genre. Les feuilles et les racines, elles te mettent pas en confiance. Ouais. Trop ça. Je te fais full confiance, vas-y. Wouah, ce virage, il est trop bien. Oh, il y a un sur là. Ok. Wouhou. Oh mais non, trop bien. Ah mais gros, trop bien. Eh, franchement, ce que t'as chapé, c'est cool à rouler. Et du coup, c'était ça le hip. Ouais. Ok. Je vois, vous avez fait un drainage et tout, c'est trop bien. Ouais, mais ils sont trop chauds, ils sont chauffés. Ah ouais, grave. Yo. Ah ouais, ça compresse sec au milieu. Wouhou. Ah oui. Ah mais gros, j'ai compressé et ça a glissé dans la pelle. Ah ouais. Oh. Regardez ce genre de périlles, j'aime pas quand c'est mouillé. Ouh. Ah oui. Ouh. Et voilà, vous pouvez faire comme ça, beaucoup plus safe. Quoique safe. Pas sûr. Mais vous avez deux passages si vous voulez pas les grosses au raid. Cool, on va le refaire une fois et on va enchaîner. Ouais, c'est good. Oh le terrier, ça s'enchaîne. Ouh, ouh, ça glisse. Ouah, c'est une patinoire là. Ouh, la patinoire. Ah. Hop. Ouh. Ouah, c'est... Ça fait tellement peur. Quand t'arrives dans le périer là, c'est un peu raide pour aller appuyer, ouais. Tu te dis est-ce que je glisse ou pas? Oh. Bon, bah là ils vont me montrer, et ça je connaissais pas, il y a une petite jump line au verrier. Et ça fait plaisir. Donc là on a été voir à pied, on va faire tout le début de la jump line, et après il y a un gros step down, on va dire, de 10 mètres à aller checker, donc on va peut-être se motage. Là je vais suivre pour la vitesse pour les jumps, et on va s'arrêter devant le step down, c'est trop cool. Je te suis. Wow. Yes. Wow. Trop bien. Ah oui, je comprends ce que tu m'as dit, genre on arrive avec beaucoup trop de vitesse. Et oui, ouais, la réception est là-bas les gars. Et niveau freinage, ça donne quoi? Ça va, j'ai pas eu de problème quand j'ai fait. Génial. Ouais, ça va. Bon bah là il vient juste de faire le test. Ça passe bien, je vous montre ça. Et bah du coup, vu comment il a trop bien été réglé, bah je vais le suivre. Hein. Là, il m'a donné envie. T'atterris. Au milieu. Et après, tu lâches tout. Ok, bah... Allez gros, hein. Ça me dit, toi. Salut Victor. Ça arrive. Yes. Yo. Ça fait zizir. Oh, en enchaîné. Je comprends ce que tu me disais, genre enchaîner tout. Je pense que t'as beaucoup trop de vitesse. Ah non mais clairement. Ah oui clairement. Je vais montrer la vidéo du mec qui s'est chié. C'est violent. Hein. Ah t'as la vidéo du mec qui est trop long. Tu me la passeras, je la mettrai. Wow.
Ouais, du coup là on est obligé de monter parce que de l'autre côté apparemment c'est pas... Ouais, ça descend loin et après... Ouais, flemme de remonter à vélo quoi. Au final on descend mais dans du... dans de la boue. Et oui, en fait au final on descend des trucs vraiment raides. De toute façon ça se voit pas en GoPro comme d'hab. Oh les gars, c'est plat ce que vous faites. Ah ouais, bah ouais. Et après on vient me voir à Instagram, on fait en fait c'était raide. Hey, c'est du sport aujourd'hui hein. Un danger de termine. Elle est bien la carrière. Trop bien, il y a des traces absorbantes. Ouais, la montée me donne pas envie du tout. Oh mais là il doit avoir des lignes. Bon bah là on se dirige vers les step-up, c'est ça? C'est juste à côté là-bas. À côté. Mais là il voulait me montrer le drop là. Après, mais moi j'ai en fait de souvenir j'avais fait là, mais après je l'avais fait dans la neige. Donc c'était encore un autre délire, tu vois. Mais en soi, y'a rien de dire, hein. T'arrives là, et faut pas aller taper les cailloux, quoi. Bon, allez, je le fais. Okay. Donc là, c'est il faut pas toucher les cailloux, et bien freiner derrière. Yo! Du coup, c'est plutôt bien passé et bah il y a Charlie, il s'est motivé, il l'avait jamais fait et bah on va voir si ça passe. Faut beaucoup de pédalage avant, c'est pas évident, c'est mou et faut donner du jus mais ça va le faire. Allez, relance. Voilà, t'es bien. Et voilà! Bon bah voilà, nickel. Alors, on part sur le step up maintenant. Bon, voilà pour terminer la session, on a deux petits step-up, un là et un là. On va faire quelques jumps, tranquillou, hein, on reprend. On va essayer de lancer peut-être un bus, je sais pas. Ouais, on verra. On va essayer de sauter le step-up. Je sais que j'étais passé l'hiver dernier, on l'avait fait sous la neige. Là, il n'y a pas de neige, c'est un petit peu mieux. On va voir ça. Ouais, ça va? Bon, c'est un petit suicide et un petit bus en step-up. Ça valide. J'arrive! Oh! Ah non! Je vais le refaire. Oh, j'étais pas sûr de mon côté. Bon, il était propre. Bon, bah là, on va faire le plus gros. Donc là, on a fait celui-là, le plus petit. Et là, le plus gros, donc petit step down. Il y a une bonne longueur là. Hop, on atterrit là et on enchaîne la petite double là. C'est toujours bien de finir une session là-dessus. Hein. Avec le jump derrière direct. Bah, si je me pose bien, ouais. Ok. Il est pas technique, il faut juste avoir la vitesse quoi. Ok. Allez, go. Oh, j'étais un peu sketch là. Bon, c'est passé. Nickel. On va essayer de passer ce beau petit jump avec un petit trick, bon, un petit suicide, ça peut être cool. On va voir ça. Hey, hey. Voilà, session finie. On a fait une bonne session au moins de 4 heures là, avec tous les chemins où on devait passer, grimper, etc. Là, bah, vous connaissez, c'est la fin, le camion là. On se retrouve en bas, tranquillou, au camion pour finir la vidéo. Oh, il a attaqué! Wow.
Ah oui, quand même. Oh. Ok. Et ben, ça termine sur une bonne session. Voilà, session finie, donc c'était trop bien, j'ai découvert plein de traces, grâce à Charlie et grâce à Victor, du freeride, de la jump line, des pistes, c'était trop bien, en fait, il y a tellement un potentiel de fou au Verrier, enfin, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est abusé, donc bah, n'hésitez pas à aller suivre sur les réseaux, Chap, tu donnes du contenu toutes les semaines, ouais. Donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne et son Instagram, et bah aussi de suivre Victor. Instagram, hein. Je poste régulièrement. Bah voilà, impeccable, donc donnez-leur de la force, hein. N'oubliez pas de commenter si ça vous a plu ce genre de vidéo, moi je vous dis à dimanche prochain, allez, ciao.